Salut à toutes et à tous, je suis Unmaster Kiwi et on se retrouve tous pour une aventure incroyable sur The Witcher 3. Oh là, on s'était arrêté la dernière fois. Bête blanche fleur. Quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanche Fleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Oh là là, elle est cachée. Elle est cachée. J'ai envie de refaire un petit screenshot. Bref. Magnifique vue. Allez, baladons-nous dans la forêt. On va de rien toucher. On se casse. À moins qu'il y ait des mecs à rencontrer, non? Personne? C'est parti. Oh là là, j'ai envie d'aller juste au bout du pont là. Qu'est-ce que tu veux? On peut sauter là? Bon bah on retourne en bas, on se casse. Putain, mon perso qui se bloque dans les décors. Cette sensibilité de la mort. Les panneaux indiquent que vous permettent de voyager directement d'un lieu à un autre, mais on va pas le faire. Allez hop, on se casse. Le sourire démoniaque, le rire démoniaque de cet homme. Est-ce que je trouve de la bouffe aussi? Oui. Je ne comprends pas ton dialecte. Il y a des noyeurs. Viens te battre, petit noyeur. Aïe. Oh. Aïe. Tiens, meurs. Ensuite, c'est à qui le tour là? Aïe! Non! Ah l'arnaque! Ah l'arnaque du siècle! On y retourne. C'est quoi cette arnaque quoi? Je le touche. C'est un truc de ouf. D'accord, le voyage rapide entre les poteaux. C'est quand même très vivant. Je suis sûr que si je sors mon arme d'ici, ils vont me buter. Ils vont croire que je les agresse. Oui, bien sûr. Au cas où, petite sauvegarde au cas où. Ils sont où les noyeurs? Ah, ils sont là-bas. Ah, mais. J'ai esquivé pourtant! Ah, purée, mais ils m'attaquent quand j'attaque. Alors, forcément, ça le fait pas. Viens te battre. Voilà, meurs. Je t'ai ouvert les boyaux en deux. Il est où l'autre? Viens te battre. Tiens. Mais, ah, j'appuie pourtant. Rah, arnaque.
désolé pour le fail de début de partie. On va se venger. T'as un recharge, vite. Faut vraiment que je monte le niveau là, parce que là... Ah putain. Mais purée. Non mais... C'est pas possible. Même dans The Witcher 2, ils étaient plus faciles à battre que ça. En 3 coups d'épée, ils étaient morts. Bon, j'avoue, 10 minutes pour tuer 3 monstres, ça craint, mais quand même, quoi. C'est pas normal qu'ils me résistent autant que ça. Ah! Ah! C'est lui qui est super agressif. Il a pris du fistec, fils de chien. Voilà, c'est fait. Je commence à reprendre la main. De combat, faut se faire la main, c'est l'échauffement, parce que si pour l'instant on se fait massacrer par des créatures niveau 4 de merde, qu'est-ce que ça va être contre les humains? Et là on l'a coupé en deux, on l'a séparé sa partie vitale de son corps. Bon, appelons le cheval, parce que là c'est juste pas normal, c'est pas normal. Voyons ce qu'on a comme quête à faire. Voyons ce qu'on a comme quête à faire. Petite sauvegarde maintenant. Ce jeu est assez optimisé, donc ça prend pas beaucoup de place à filmer, c'est ça qui est cool. On peut faire d'immenses vidéos. Que font ces mecs sur la route? Bon allez. Regardons vite fait les quêtes. Qu'est-ce qu'on a comme quête à faire? Ok, la bête de Lila. Okay. Faut aller voir le chasseur. Ah, c'est un bandit! Non? C'est quoi? Ah, j'ai cru que c'était un bandit. Je voyais un mec avec une pioche à la main. Pas du tout, mon ami. Je cherche juste un village avec un chasseur. Et Dieu nous ignore, l'empereur est loin et ce griffon est un vrai fou. Ah, faut retourner au village. Allez. Regardez-le comme il se balade.
Retournons d'abord au village. Ah, des tournesols géants. Des quêtes à récupérer. Qu'est-ce que tu dis ? Qui t'a appris cette chanson ? Cherche à emprunter ou l'ordre nouveau. Ok. Bon. Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Les de Nordling. Alors les villageois ont capturé un sorcier qui chassait non loin pour poser des questions. Comme c'est pas laissé faire, on cherche pas du tout les ennuis, on cherche surtout le forgeron. Oh là là. Hein. Allez, on va voir le chasseur. Chasse, sachant sa chasser. On se casse. Ah, il habite ici. Là, ou pas. Et on y va, c'est parti. Il y a quelqu'un. Il doit être parti chasser. Ah merde, faut aller dans la forêt. Quoi, faut prendre le cheval ou faut... Ah non, faut retrouver les empreintes, c'est vrai, je suis bête. Sans les empreintes... La piste est encore fraîche. Misla vient de partir. De toute façon, le combat contre les loups. Hein. Dire ça. Je dis rien. Alors, suivons la ligne rouge. Ah, il y a la chasseur. Eh oh, chasseur! Vous êtes Mislav? Des loups. Vous avez entendu. Des loups. Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. C'est pour ça qu'ils mettent la misère là. Comment ça des plus dangereux que les loups? Plus dangereux que des loups. Ça m'étonnerait. Mais c'est pourtant vrai. Vous savez pourquoi? Non, mais vous allez me le dire. Les loups chassent pour manger. Mais les chiens sauvages, eux, ils tuent pour le plaisir. Tout comme les humains. Ouais. Ils ont appris beaucoup de choses des humains. En particulier la cruauté. Comment ça, en particulier la cruauté? Où avez-vous trouvé le corps des Nilfgaardiens? Le plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. Ouais, enfin, le fameux... Pour l'instant, il a des armes de merde, hein. D'accord. Il peut pas faire grand-chose. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Oh non. Vous voulez bien m'aider? Enfin, non. Si vous non. N'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. Non. Bah, pourquoi pas, j'ai pas le choix, de toute façon. Le griffon n'ira pas loin, de toute façon. Bah, vu la taille qu'il fait... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème. Depuis le début de la guerre.
Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades. Mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. D'accord, tuer les chiens... Ah, on peut switcher, d'accord, j'avais pas vu. Ok, il y a un switch rapide pour les quêtes. J'avais pas fait gaffe, moi. On peut courir quand même, hein. Trop tard, ils ont encore frappé. Ah, ils sont là-bas. Ok, ils sont niveau 1 ceux-là. Putain, ils sont faibles. Ils sont pas niveau 5 comme les autres. Suif de chien. Je sais pas ce que c'est que du suif de chien. Viande crue. Merde. Vous connaissez ? C'était mon pote. J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Mais ça, c'était avant. Avant quoi ? Avant quoi ? Avant qu'il me chasse du village. Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Un loup-garou. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Avec du poil au menton, tu peux être qu'un loup-garou. Moi aussi, je suis un monstre. Ouais, mais pas comme moi. Si vous êtes un lycanthrope, je peux vous aider. Un quoi ? Un loup-garou. Un loup-garou. J'ai déjà rencontré ce genre de problème. En général, il s'agit d'une simple malédiction qui... Non, c'est Florian, le fils du Seigneur. C'était mon amant. D'accord. Un jour, tout ça pour Peter nous a surpris dans l'écurie. Ils m'ont chassé. Et Florian s'est pendu. Le Seigneur a commencé à boire et le domaine est tombé en ruine. Voilà, vous savez tout. Je suis désolé. Bon, c'est l'histoire ancienne. Venez, je vais vous montrer où j'ai trouvé les Nilfgaardiens. Que savez-vous sur le griffon ? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce qu'à... On a obtenu un point de compétence. Et on peut choisir où on veut le mettre. Ok. Personnage, groupe de compétences. La couleur d'une compétence indique à quelle catégorie elle appartient. Épée... Je pense que c'est sort en bleu et potion alchimie en vert, ok. Sélectionner une compétence. Cool. Alors moi je veux vous effectuer des attaques rapides, non. Technique défensive de l'école du loup. Ça sert à quoi ça? Vous permet d'utiliser une arbalète légère. Les coups portés durant le combat génèrent des points d'adrénaline. Chaque point d'adrénaline augmente les dégâts de vos armes de 10%. Ah, c'est stylé. Ça, c'est tout ce qui est sort. Et ça, c'est tout ce qui est alchimie. Ok. Et tout ce qui est technique défensive de l'école du loup. Ça fait quoi, ça? Défense. Ah, c'est pour les parades, je pense. On en aura besoin contre, j'imagine, le griffon. Une attaque rapide avec l'une de vos épées. Ou alors les courtes portées durant le combat génèrent des points d'adrénaline, augmentent les dégâts de vos armes de 10%. Ça peut être pas mal, ça aussi, hein. Ça a l'air très... Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Très OP quand même. Placer les mutagènes.
gobelet mutagène. J'en ai un. C'est quoi ce mutagène? Plus 50 de vitalité. Mutagène et compétences, une couleur propre. Si vous placez une mutagène près d'un groupe de compétents dont au moins un est une de la même couleur que lui, il vous procurera un bonus supérieur. Ok. Ok. D'accord. Ok, bon. Ok, super. Moi j'ai déjà pas les attaques, pour l'instant ça sert à rien. J'ai surtout augmenté ma vie. points supplémentaires par seconde en dehors des combats. Augmente 500 points de vie et maximum. On va augmenter la vie. Je peux ou pas? Il a fini de découper un morceau. Bon, allez. C'est notre vie. Ça fait un régène complet. On en a besoin. On augmentera la défense après. Je prends mon cheval, moi. Allez, Oula, oula, oula. Allez. La bête de blanche fleur. On y est. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Il est le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Ah ouais, mais si niveau 10, je vais mourir, hein. Les mille gardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Un campement. Ah ah ! Traces de sang. Le sol est noir, gorgé de sang. Ça. Ah, c'est des loups, non? On sauvegarde quand même, que on se fasse démonter. Ah! Ah putain, il m'a pété ma défense. Fils de chien. Pour un loup, ça paraît normal quand même. Voilà, meurs. Eh, il m'a bouffé presque la moitié de ma vie quand même.
Pour la prochaine, je te dépasse. Je vais te dépecer. Alors attendez, parce que du coup. Faut que je prenne des petits fruits quand même, des petits fruits secs. Ah merde. Qu'est-ce qu'ils veulent encore ces loups? Putain de loups de merde. Qu'est-ce que t'es moche. La patte. Voilà. Mange. Tout est dans la parade. Dans ce jeu, tout est dans la parade. Il n'y a rien dans le combat. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tremble? Suivons la route. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. C'est le griffon qui lui a fait ça? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaquée en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois? En temps de guerre? Oui. La pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je pourrais lui faire boire une de mes potions. L'hirondelle peut enrayer les hémorragies internes, mais... Mais ? Les potions de sorceleur ne sont pas faites pour les humains. De toute façon, elle va mourir. Oui. Une mort paisible, grâce à vos concoctions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. Ah ah ! Je cherche du nerprin. On peut en trouver dans la région ? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerprin pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Cela ne vous regarde pas. Peter, Sar, quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Depuis qu'ils ont besoin de nourriture. Je doute que l'empereur Ymir s'intéresse à vous. Mais je crois que le capitaine est un honnête homme. Il n'y a pas d'honnête homme dans l'armée. Il n'y a que des exécutants. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe. Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être.
Alors attendez. Déjà ça. Comment je fais déjà pour... Ah voilà, c'est ça.